Les fesses. Allez, vous pouvez y aller. Thank you.
Qu'est-ce que tu fais ici? Je me suis dit que je passerais te souhaiter bonne chance. On n'a pas besoin de chance. Merci de me remercier, Chuck. Non, je voulais dire, on s'est entraîné. Oh, je sais. Crois-moi. Tu vas venir voir le match? Non. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Je n'aime pas te regarder prendre des coups. Tu trouves ça drôle? Ouais, très drôle. Vous n'êtes pas encore mariés et c'est déjà un mari battu. Oh, laisse tomber. Chérie, écoute. Je ne vais pas me faire mal. C'est juste un sport. Tu appelles ça un sport, peut-être? Ouais. Où tu vas? Si jamais ça t'arrive, rappelle-toi bien de ce que je t'ai dit. Hé, hey, alors et moi dans tout ça? Toi, va te faire voir. Vas-y, et casse la baraque. Compte sur moi. Tu t'amènes? Une minute. Merci. C'était son premier combat et il aura de la chance s'il se remet sur pied. Il n'allait pas s'entraîner toute sa vie, tôt ou tard, il devait se battre. Il ne fallait pas l'engager contre un type qui pèse 20 livres de plus et qui a la réputation d'une brute. Ne commence pas, Johnny. Je t'ai vu te battre. Ça n'a rien à voir. Salut, Doc. Détective, que puis-je faire pour vous? On a tiré sur un gars d'une voiture. Le service d'urgence s'en occupe. Il paraît que t'as un type du gang ici. Il n'est pas membre d'un gang. Ah, vraiment? Vraiment. Détective Lopez, voici mon cousin, Terry Wu. Ouais, enchanté. Il paraît que ce gars était blessé. Comment c'est arrivé? On se bat sur un ring. Vous savez que ces combats sont illicites. Que faites-vous quand vous n'êtes pas sur un ring? Lopez, où est votre problème? Ils n'utilisent aucune drogue, ils ne tirent sur personne. Pourquoi vous leur foutez pas la paix? Ouais, je vois ça. C'est comme au Vietnam. Vous vous serrez les coudes, c'est naturel. Veuillez m'excuser, j'ai du boulot. C'est moi qui vais me battre. Je vais lui botter les fesses. Et tout de suite. Ah. Oh, j'ai bu la boisson préférée de Bruce Lee. Excusez-moi.
Je voudrais un thé. Du thé. Vous savez, du thé. Et des baguettes. C'est ça, des baguettes. Qu'est-ce qu'ils ont dit à l'hôpital? Certains ça va, d'autres un peu moins. Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pour le box 3. Reviens ici, c'est pas pour le 3. Oh, bal masqué. Vous savez, costume. C'est difficile de se servir de baguette. Vous parlez très bien notre langue. Merci. Vous aussi. Je prends du porc michaud. Vous devriez essayer le poulet du général Esso. Spécialité de la maison. Vraiment? Il faut parfois essayer des choses différentes. N'oubliez pas votre biscuit de la destinée. Alors quoi de neuf, Sorette? Tu connais ma sœur, n'est-ce pas? Ouais, Chuck. Tiens, le v'là. Oh mon Dieu! Je t'avais pourtant prévenu. Oh. Allez, nettoie ça, mec. Tu ressembles au type que j'ai battu. Ah bah, il devait pas être beau à voir. T'as vraiment cassé la baraque. Ah, tu parles comme toujours. Il a bien été le seul ce soir. Allez, où est le garçon? Vous auriez vu ça, un vrai massacre. Il avait aucune chance. C'est au dernier round qu'il est tombé. Ouais, elle est comme une pierre sur un tapis de sol. J'ai vu sa tête cogner tellement fort qu'elle a rebondi plusieurs fois. Qu'est-ce qui va pas? Rien. Les règles. Oh, la ferme! C'est pas l'idiot, il rigolait, c'est Écoute, tout. Écoute, Chuck, laisse-moi tranquille. Mais je t'ai rien fait, adresse-toi à ton frère. Nous devions nous retrouver tous les deux tout seuls. Jamais on pourra rester ensemble. Et ensemble, là? Allez, les gars, on y va, là! Tu viens? Non, laisse-moi. Faire des nouilles. Non, j'ai pas faim.
Il faut pourtant que tu manges. J'ai déjà dîné, va te coucher maintenant. Qu'est-ce que tu as mangé? Un hamburger. Ne me sais pas la quête, c'est ingolo. Tu sais, Johnny, tu devrais vraiment venir combattre vendredi. Je suis trop occupé. Oh, voyons, tu peux trouver un petit peu de temps. Je suis docteur, pas boxeur. Je sais bien que si. Je t'ai vu te battre déjà. Toi, tu les cognes et moi, je recolle les morceaux. Et comment es-tu rentré ? En taxi. Pourquoi t'es en colère contre moi ? Parce que tu es bête et insupportable. Allons, arrêtez tous les deux. Hey, tu sais que Chuck va se battre la semaine prochaine. Il aimerait bien que tu sois là. Je n'en doute pas une seconde. Il y a pas mal de filles qui aimeraient être à ta place. Eh bien, je ne veux surtout pas me mettre sur leur chemin. Ça fait du bien. Attention, tu vas te mouiller les cheveux, ma chérie. Comme un lys de montagne, l'amour pousse en terrain rocailleux. Voici mon fils Terry. Et voici mon neveu Johnny. Bonjour. Voici Xil Jiangchong, la fille de Jiangshu. Elle fait des études d'infirmière. C'est formidable. Johnny, lui, est docteur. Je suis interne. Enchanté. Li va m'aider à faire ma lessive. Tu sais, Johnny, je crois que tu devrais te caser. Tu commences à te faire vieux. Vieux ? Viens là. Je vais te faire voir si je suis vieux. Je vais faire un peu d'exercice. Ouais, c'est ça. J'ai des trucs à te montrer. D'accord. T'es prêt ? Bon, on y va. T'en veux encore ? Ouais, j'en veux encore. Il m'en faut un peu plus que ça. C'est pas mal pour un vieillard. Tu continues ? Ouais, d'accord. J'ai encore quelque chose pour toi. Ah oui ? Alors, montre-moi ça. Allez, debout. Ouais. Allez, viens.
savais que j'ai enseigné à Bruce Lee? J'étais son professeur, c'est vrai? Ouais, c'est moi qui lui ai appris à nager. Tu as vu l'émission de Johnny Carson? Oui, eh ben, je suis passé dans son show. Hey! À la fin, mec! Hey! Salut, comment tu vas? Attrape-le! Doucement. Attendez. Aïe. Attendez, je vais vous montrer le coup du voleur de Prusse. T'es de repos ce soir? Ouais. Tu veux manger un truc? Non, je viens de finir. Qu'est-ce que c'est? Rien. C'est pour mon travail. Tu travailles dans un cirque? Faut que j'y aille. Cette danse. J'ai pas apporté d'armure. Tu m'en veux pour hier soir. Je suis pas en colère. Oh, je suis sûr du contraire. Chuck, je ne le suis pas. Ça va? Oui. On danse? D'accord, on danse. Hé, hey, Chuck! Amène-toi! Je peux t'affirmer que j'ai toujours été d'accord avec toi. Entendu, maintenant, vas-y. Chuck, tu viens? Noé est à l'hôpital. Qu'est-ce qui est arrivé? 4 surfeurs en plein centre péniché. L'un d'eux est un gars contre qui j'ai combattu. Et je voudrais qu'ils viennent à Chinatown recevoir une leçon. Allons les chercher. Une minute. Je sais où ils sont. Et je crois que mon fou de cousin est justement avec eux. Tiens, tiens, tiens. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voulez m'expliquer ce qui se passe ici? À vous de nous le dire. Il semblerait que votre ami ait reçu une sacrée raclée. Oui, on dirait.
Je suppose que personne ne sait qui a fait ça. Non, j'en sais rien. Vous le savez, les gars? Je crois que c'est une affaire de brutalité policière. T'es un malin, toi. Demandez-le à Knou qui a fait ça. Vous semblez ne pas comprendre tout à fait. Je peux être ou votre meilleur ami, ou le pire des emmerdeurs, c'est vu? On a le choix. Ferme-la, tu veux? Écoutez, nous ne savons rien du tout, mais si on découvre quelque chose, on vous le fera savoir. On fait comme ça. Je serai facile à trouver. Je serai juste derrière votre dos. Je crois que je vais parler à Brad. Aujourd'hui, je pense. Ouais. Quel est votre nom? Johnny. Moi, c'est Julie. Je sais. Vous me connaissez? Vous êtes le serveur? Entendez, on fait comme ça. Allons danser. Rentrons maintenant. C'est qui le copain de Julie? De qui tu parles, Linda? C'est ce type. Chuck, nous ne faisions que danser. Ne me touchez pas. Tire-toi d'ici. Johnny, arrête. Eh, c'est quoi ici, Pearl Harbor? Je suis venu chercher mon cousin. Ouais, et en combien de morceaux? Eh, dégagez d'ici. Je piche pas, mec. Qu'est-ce que tu foutais là-bas? J'ai rencontré cette fille l'autre soir. Je voulais discuter avec elle. Tu pouvais pas te servir du téléphone? J'aime cette fille. C'est encore trop tôt. Qu'est-ce que tu veux dire? D'abord, trouve-toi une excellente épouse chinoise, et ensuite, tu prends une maîtresse américaine. Aujourd'hui, je suis allée au marché et j'ai rencontré Cho Ching. Elle est de Shanghai. Elle a une fille très gentille. Tante May, je te suis très reconnaissant de t'occuper de moi, mais s'il te plaît, ne me présente pas d'autres femmes. Pourquoi? Je ne suis pas prêt pour l'instant. Tu n'es pas prêt? Tu as 32 ans. Il est devenu fou d'une Américaine. Une J-Lo. C'est vrai? Ouais, il est amoureux.
Non, c'est inexact. Je viens de la rencontrer, c'est tout. Le box 3. Angelo, tu sais ce que ça veut dire? Oui, je sais. Angelo. Chuck était furieux. On ne faisait que danser. Et avec qui tu dansais? Celle-là est jolie. Je crois que je vais l'essayer. C'est très difficile pour moi de l'avouer. Mais vous me rendez complètement fou. Je ne peux plus manger, je dors plus. Ma tête tourne et mon cœur bat si fort. Je suis né en Chine. J'ai tellement rêvé de venir ici. Et je n'imaginais pas ça. Peut-être ai-je eu tort de venir. J'espère seulement que vous ressentez la même chose. Si c'est oui, alors dites-le moi, je vous en prie. Dans le cas contraire, je m'en irai, je ne chercherai plus à vous voir. Merci, jeune homme. Excusez-moi. De quoi parlait-il, ce garçon? Je ne sais pas. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? J'ai rien dit du tout. C'est lui qui parlait. Quel beau parleur. Oh, je crois que je suis amoureux. Te souhaitons joyeux anniversaire. Je ne le vois pas. C'était-il de congé ce soir? Viens, on s'en va. Mais nous devions dîner. À quoi ça sert de rester? Moi, j'ai faim. Excusez-moi, mademoiselle. Aucune réservation ce soir. D'ailleurs, c'est complet, nous sommes réellement navrés. Laissez ces jeunes filles tranquilles, qu'est-ce qui vous prend? Allons, montrez donc un peu de respect. Elles ne vous ont rien fait, excusez-vous. Veuillez nous excuser. Merci. Quelquefois, ils ont tendance à oublier d'où ils viennent. Je vous en prie, installez-vous. Julie, à quoi ça sert d'insister s'il n'est pas là? Allez, viens! Il y avait un serveur la semaine dernière qui s'appelait Johnny. Pas de serveur appelé Johnny. Si, la semaine dernière. Non, pas du tout. Johnny est mon neveu. C'est celle dont Johnny est amoureux. Oh, box 3. Savez-vous où je peux le trouver? Quel âge avez-vous? 22 ans. Oh, bon âge pour avoir des enfants. Pardon? Qu'avez-vous mangé au petit déjeuner? Bacon et des œufs. Vous cuisinez vous-même? Pas de McMuffin? Non, pas de McMuffin. Avez-vous mal ici? Je me sens bien. Mal dans votre cœur, peut-être. Peut-être vous devriez aller à l'hôpital. Vous pensez que je devrais aller à l'hôpital? Je pense que moi aussi je vais rentrer chez moi. Merci.
Il est sorti ce matin. Je vous en prie. Docteur, attendez. Vous êtes encore ici? Je fais des heures supplémentaires. Mademoiselle Marshall. Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, je ne me sens pas bien depuis quelque temps. Quels sont les symptômes? Je n'ai plus d'appétit. Et j'ai ma tête qui tourne. Et mon cœur qui bat très fort. Et je ne peux plus dormir. Qu'en pensez-vous? Que ressentez-vous? Ça va beaucoup mieux. Nous allons voir ça. Enlevez votre pull, s'il vous plaît. Quoi? Votre pull. Respirez profondément. Bien. Continuez. Alors, quel est le diagnostic? Il était temps de venir. Maria, préparez-moi le bloc opératoire pour une intervention. J'aurai besoin d'une scie et d'un écarteur de côte. Un écarteur de côte? Tout de suite, docteur. Vous avez un cas extrême de neurologie cardio-inflammatoire produit par une augmentation de la pression de l'épididyme. Je dois être opérée? Il doit y avoir une autre façon de vous soigner. Laquelle? Déjeuner avec moi demain. Oh. Je crois que je ne vous aime plus tellement. Je suis fiancée. Nous sommes censés nous marier en septembre. Mes félicitations. Mais je ne sais pas si ça va se faire. Avant de vous marier, il faut être sûr de vous. Oui, je sais. On se fréquente depuis 6 ans. Tout le monde présumait qu'on se marierait. Je le pensais aussi. Mais maintenant, je ne sais plus. Quand il sera temps, vous le saurez. Alors, on pourrait peut-être rester amis? C'est ça. Eh bien, bonsoir. Bonsoir.
Où étais-tu passé? Oh, tu m'as fichu la trouille. Mais qu'est-ce que tu fais dans le noir? Je t'attends depuis 3 heures. Oh, Chuck, j'ai oublié. Et tout ce que je t'entends dire, c'est que nous ne passons pas assez de temps ensemble. Je suis désolée. On devait aller voir un film et tu as oublié. Oh. Tu as oublié. J'ai dit que j'étais désolée. Où étais-tu? Eh bien... Tu quoi? J'étais au travail. Cette chippy de Wendy, tu passes plus de temps avec elle qu'avec moi. Je suis désolée. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais rien. Regarde-moi. Il est tard. Chuck, non. Mais j'ai envie de toi. Je t'en prie, pas ce soir. Bon, bah tu m'appelleras quand tu seras décidé. Peut-être ici, près des chiottes. Oui, allons vérifier. Alors, les gars, vous avez des hyènes pour pénétrer ici? C'est lui qui a tapé sur Kno. Ils se ressemblent tous, je trouve. Et il faut 4 rats comme toi pour vous charger de Kno. Voyons ce que tu sais faire seul. Tu vas te battre contre moi. Allez, gros dur. Arrivé. Terry Wu et 10 de ses gammes sont tombés dessus. Quand je l'aurai sur le ring, je lui casserai la gueule. Je ne vais pas attendre qu'il monte sur le ring. Je veux cette bande de petits cons, maintenant! Qu'est-ce que c'est que ça? On en a assez des types comme vous qui viennent dans ce pays comme s'il leur appartenait. Je suis né ici. Mais j'en ai rien à foutre, j'ai vu ce que vous avez fait à Bud. C'était en réponse à ce que vous avez fait à Kno. Cette petite tête de Bouddha n'avait pas à venir à Venice. Alors toi et tes guignols n'avez rien à foutre ici.
attendez. Au lieu de se battre comme ça, mettons deux gars sur le ring. D'accord, tous les deux. Non, il est à moi. Et quand? Dans un mois. Un mois. T'as besoin de temps pour t'entraîner? Où ça? Le pont de la 6ème rue, soyez-y. Hé, hey, les flics! Hey, Doc, vous persistez à dire que ces gars sont des citoyens irréprochables? Que voulez-vous dire? Il vient d'y avoir la guerre à Chinatown et votre cousin ainsi que votre ami étaient en plein dedans. Que s'est-il passé? Oh, vous en avez trois en salle d'urgence et il n'était que spectateur. Je suis sûr que Terry n'est pas impliqué. J'y étais. Bien, je lui parlerai, je saurai ce qui est arrivé. C'est ça, faites-le. Laissez-moi vous familiariser avec la réalité, mon vieux. Des gangs diffusent de la drogue. Et où trouvent-ils de la drogue? Vous n'êtes pas sans ignorer qu'ils se la procurent dans les hôpitaux. Je vous prie de sortir d'ici. Je n'ai aucune sympathie pour vous et je suis très irrité par vos insinuations. Bon, je n'insinue rien du tout. Je vous soumets un fait. Je ne vois pas comment je pourrais le savoir. Ah, je l'espère. Parce que si je découvre que vous êtes au courant, je vais être aussi collant que du riz cantonais. Excusez-moi l'expression. Alors? Alors quoi? Que s'est-il passé? Tous les Jello ont débarqué à Chinatown, ils se sont plantés là comme en terrain conquis. Que crois-tu qu'il soit passé? Lopez est venu à l'hôpital. Johnny, que pouvais-je faire d'autre? Ils disent à Kno qu'ils veulent parler. On se dispute, le ton monte et un des gars me cogne la tête. Alors là, boum, ça explose. Ce que je voulais te dire, c'est que Lopez est après vous et il ne vous lâchera pas. Cette violence doit se terminer. Ce n'est pas ma faute. Le tai chi n'a rien à voir avec ce que pratique votre frère. C'est plus pour la santé et la méditation. Mais c'est tout de même un art martial. Allons à la plage. Je vous montrerai quelques-unes de mes techniques secrètes chinoises. Hé, hey, vous voulez une photo? Seulement $2. D'accord, on en prend une. Rapprochez-vous, s'il vous plaît. Souriez. Parfait. Et voilà. Tenez. Ce mouvement s'appelle remuer les mains et les nuages. Comme ça? Décontractez-vous. Oh, j'aime bien, mais je ne vois pas comment ça peut défendre qui que ce soit. L'homme sage dit, avant de conquérir les autres, il faut se conquérir soi-même. Vous avez lu ça dans Confucius? Non, dans les biscuits de la destinée. Ah!
Le nouvel an chinois est la fête la plus importante de toute l'année. La veille du jour de l'an, nous devons payer toutes nos dettes. Tout doit être propre parce que ce jour-là, nous n'avons pas le droit de nettoyer. Pourquoi ? Bien parce que ça balayerait toute la chance de l'année. Le dragon est l'animal le plus redoutable. Et il porte chance. Et ça, ce sont des chiens ? Non. Non, ce sont des lions. Les lions jaunes sont de Pékin. Ceux-ci sont cantonais. Il y a bien des années, en Chine, une énorme bête descendit des montagnes, vers les fermes. Il mangea toutes les récoltes et enleva les enfants. Un jour, un lion venu de la forêt a fait peur à la bête. Depuis, pour le jour de l'an, on fait la danse du lion, pour éloigner la bête toute l'année. Oh, et c'est une histoire vraie ? On voit le lion grignoter le coin des maisons, parce que les mauvais esprits s'y cachent. Dans les coins ? Bien sûr. Comment savez-vous que les mauvais esprits se cachent dans les coins ? Tout le monde le sait, voyons. Il faut que vous dîniez avec moi ce soir. Pour participer au repas traditionnel avec Tante May. Oh, je regrette, je ne suis pas prête. Allons. Je suis désolée, il y a beaucoup de nourriture. C'est un festin ? Oh non, ce n'est rien, mais s'il vous plaît, mangez quand même. Tante May connaît l'astrologie. Ah, mon oncle est un grand spécialiste, c'est un diseur de bonne aventure. Alors, quand un des enfants de la famille désire se marier, nous l'envoyons voir l'oncle et il lui dit si c'est bien ou pas. Julie est du cheval. Mais qu'y a-t-il ? Le cheval, c'est bien. Ils sont très intelligents et ont de la force d'esprit. Mais les hommes n'aiment pas se marier avec une femme intelligente et forte d'esprit. Mais pour un homme qui a de la force d'esprit et qui est du tigre ou du dragon, alors ça va. De quelle année êtes-vous ? Vous ne le savez pas ? Non. Il est du dragon. Salut. Salut. Quoi ces fleurs ? C'est pour me faire pardonner. Elles sont très belles. Je regrette pour l'autre soir. C'est pas grave. Tu sais, je t'aime. Je sais. Pourquoi ne pas aller dîner et danser ensuite ? Pas ce soir. Je suis un peu fatiguée. Viens, on va passer une bonne soirée. C'est très gentil, mais on fera ça une autre fois. Ouais. Thank you.
Grand-mère ? Mmh. J'ai un petit problème. Lequel ? J'ai rencontré un homme. Et alors ? Je crois que je suis amoureuse de lui. En ça. Est-ce que tu aimes Chuck ? Je le croyais. Maintenant, tu n'es plus sûre. Eh ben, je suis avec Chuck depuis le lycée. Oh, c'est vrai. Et il n'a pas vraiment évolué depuis cette époque. Tu l'aimes toujours ? J'en sais rien. Et l'autre homme ? Johnny. Johnny, est-ce que tu l'aimes ? Oui, enfin... Tu n'es plus très sûre de toi. Eh bien... Ce n'est pas la fin du monde. Peut-être devrais-tu rompre tes fiançailles. Tout le monde comprendra. C'est pas si simple. En effet, c'est un problème. Surtout en considérant la manière dont ton père est mort. Il n'est pas vietnamien. Il est chinois. Julie, je le sais bien. Mais tu sais que ça ne fera aucune différence pour Brad. Est-ce qu'il le sait ? Non. Eh bien, je vais te donner un conseil. Fais en sorte qu'il ne l'apprenne pas. Et avant que les choses aillent plus loin, tu ferais bien de prendre une décision, surtout en ce qui concerne Chuck. Moi aussi. Eh bien, il se fait tard. Oui. J'ai du travail demain. Je comprends. Je ferais bien d'y aller. Oui. Oui, je vais très bien. Quelle est cette musique que j'entendais hein? Juste la radio. Comment va Chuck? Ça va, je suppose. Alors, tout va bien entre vous deux, n'est-ce pas? Ça va comme d'habitude. Parfait. Tu es prêt? Presque. Tiens, tiens. Ça me réchauffe le cœur de voir que les rapports raciaux s'améliorent dans notre ville. Que voulez-vous? Il y a de l'orage dans l'air dans le coin. J'ai pensé que tu pourrais me dire où et quand. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Non, tu ne sais jamais. Mademoiselle,
qu'est-ce que votre famille pense de ce petit compromis? Laissez-la en dehors de ça. Tu diras à ton cousin que j'en ai marre de la guerre des gangs dans mon secteur. Allez, viens. Très joli. Comme toi. Salut. Salut, Chuck. Comment ça va? Bien. Julie sort dans une seconde. Merci. Vous sortez souvent ensemble ces jours-ci? Ouais. Salut, ma puce. Qu'est-ce que tu fais là? Que dirais-tu si on déjeunait ensemble? D'accord. Je reviens tout à l'heure. Entendu. Tu allais manger. En fait, j'ai pas faim. Qu'est-ce qui ne va pas? Chuck, il faut que je te parle. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu fais? J'ai besoin de plus de temps. Le mariage est dans 7 mois, ça ne te suffit pas? Il faut encore que je réfléchisse. Non. Non, c'est faux. Tu ne m'aimes plus? D'accord. Alors qui est-ce? Chuck, je t'en prie. C'est ce gars au bal, ce connard de merde de bridé, c'est lui qui est derrière tout ça. C'est une personne, non une couleur. Pauvre fille. Il ne sera plus une personne pour longtemps. Dis à ton ami de venir voir Brad démolir Terry ce soir au 2e round. Et moi, je vais lui foutre sur la gueule. Ah oui, d'accord. Et où est passée ta devise sportive? Là, il n'est plus question de sport. Tiens, tu peux balancer ça aux chiottes. Dur ces temps-ci. Ouais. Qu'est-ce qui t'arrive? Je tiens à garder la forme. Il y a un grand combat ce soir, paraît-il. Ah ouais? Tu vois, je suis pas au courant. Arrête tes conneries. Qu'est-ce que tu attends de moi? Que tu me dises la vérité. Est-ce que je dois tout te dire? Tu vas déclarer forfait. Qu'est-ce que ça peut te faire? Je fréquente sa sœur. Et alors? Toute ma vie, j'ai été emmerdé par tous ces connards. Parce que je suis asiatique, on m'emmerde avec le Vietnam, on m'emmerde avec le Japon. Inutile de me dire ça. Alors ce soir, je prends ma revanche. Tu peux trouver la haine partout, mais l'important, c'est de trouver l'amour. L'amour? Je suis amoureux d'elle. Et comment déclarer forfait? De quoi j'aurai l'air? Qu'ils aillent au diable. C'est pas toi qui perds la face. D'accord. Dis-leur que tu veux combattre à la thaïlandaise. Avec du verre brisé dans les mains? T'es malade?
Bien au contraire, comme ça c'est lui qui refusera. Et s'il accepte? Non, il n'est pas fou. D'accord. Bonjour. Bonjour. Il y a quelqu'un ici? Non. J'ai parlé à Brad, mais il ne veut rien savoir. C'est réglé. Ils ne se battront pas. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai parlé à Terry. Et il t'a écouté? Oui. Oh mon Dieu. Oh. À te battre? Je ne ferai ça que d'une manière. Ouais? Je me battrai dans le style thaï, avec du verre brisé dans les mains. Ça me va. Dis-moi, qu'est-ce qui te fait croire qu'ils ne se battront pas? Dans l'ancien temps, en Thaïlande, les combattants se battaient avec du verre sur les poings. J'ai dit à Terry de dire à ton frère que c'est la seule manière dont il se battrait, comme ça Brad refusera l'affrontement. Il est fou, il acceptera! Finis-le!
pas me battre avec toi, Brad. Tu vas à l'enterrement? Oui. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Je me fiche à présent de ce que tu crois ou pas. Explique-moi, comment tu peux quitter Chuck pour ce minable? Parce que je l'aime. Je l'épouserai s'il le veut. Tu devras me passer sur le corps pour l'épouser. Que tu as fait assez de mal. Tu as tué son cousin. Écoute, je ne voulais pas le tuer. Après tout, c'est lui qui a eu cette idée. Bien sûr, je ne peux pas dire que j'ai le cœur brisé parce qu'il y a un jaune de moins sur Terre. Laisse-moi tranquille. Tu n'iras pas à cet enterrement. Brad, tu n'es pas mon geôlier. Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire. Je suis en retard. Je vais avec toi. Tu n'oserais pas. Tu ne sembles pas comprendre, Julie. Je suis vraiment très sérieux. Tu pourrais aller à un autre enterrement demain. Je suis désolée, je ne savais pas. Ça ne fait rien, j'aurais dû vous le dire. Que faites-vous ici? Nous sommes venus présenter nos condoléances. Sortez d'ici, voulez-vous? Nous sommes venus la chercher. Viens ici, Julie! Tu n'as rien à faire ici! Tu rentres à la maison maintenant! Allez-y, allez. Tu me cherches? Je suis là, allons-y, allez, viens! Hé, hey, toi, enlève tes sales pattes, là! Tu recules, patate! Bon, allons-y! Alors, tu viens? Tu te dégonfles? Viens tout de suite, allez! Mon Dieu, mais c'est un enterrement! Mais je l'ai, qu'est-ce que tu fous? Viens! Mais ne reste pas là! Tu n'es pas à ta place, ici! Viens! Viens! Tu n'es pas chez les tiens, ici! Il a raison. Quoi? Je ne suis pas chez les miens ici. Qu'est-ce que tu veux dire? Regarde-moi. Je le sais. Ils le savent aussi. Tu fais erreur. Johnny, je ne t'ai jamais aimé. Non, ce n'est pas vrai. Je t'ai utilisé pour rendre Chuck jaloux. Je n'ai jamais cassé avec lui. Je ne te crois pas. Ça, je le savais. Tu vas croire ça? Chuck, attends-moi, j'arrive! Thank you.
Inspecteur. Détective. J'ai pensé que vous seriez heureux d'apprendre que j'ai arrêté Brad. Quand ? Hier soir. Vous le gardez combien de temps ? N'en sais rien. Non, vous n'en savez rien ? Ce matin, il est venu à l'enterrement. Je ne peux rien faire. Alors ça a servi à quoi ? Pour montrer qu'il faut faire confiance au système ? Il ira en procès. Ouais, mis en liberté surveillée. Écoutez, je J'en ai rien à foutre ! Laissez-moi tranquille. Désire en parler. Non. Pourquoi ne l'appelles-tu pas ? Pourquoi faire ? Simplement parce que tu l'aimes. Je le hais. Le contraire de l'amour n'est pas la haine. Ah vraiment ? Alors c'est quoi ? L'indifférence. Alors c'est le mot. Ça ne me fait rien du tout. Alors, c'est égal si je prends ceci. Oui, fais ce que tu veux. Excusez-moi de vous dire ça, mais il y a une chose qui reste immuable dans nos deux cultures. Quand il s'agit de femmes, les hommes sont stupides. J'ai du mal à les comprendre. Avez-vous peur de travailler, de lutter, de persister ? Madame Marshall, je ne sais pas si vous avez une idée des difficultés pour sortir de la culture chinoise, apprendre une nouvelle langue et réussir ses études. Mais j'ai passé ma vie à persister. Alors pourquoi avoir abandonné Julie aussi facilement ? On ne s'entend plus. Salam Alek. Elle ne m'aime pas. Encore du Salam Alek. Ceci a été collé sur son miroir le soir même de votre rencontre. Jambe droite et 5, 6, 7, go. Et 1, 2, 3, 4, pas de côté. 2, 3, dans la glace. Les grands bras. 2, 3, bien, tournez là. 1, 2, 3, bien, vous tournez là. Et 1, 2, 3, double ici. Bien. On reprend les mouvements du début. Et 1, 2, enchaînez. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que tu viens faire ici? Pourquoi es-tu venue? Parce que je t'aime! Et je ne peux pas vivre sans toi. Tu ne vivras plus longtemps. Je ne veux pas me battre avec toi. Je ne crois pas que tu aies le choix. Brad, reste en dehors de ça, s'il te plaît. Oh ! Fous-lui une raclée.
parade. Fois de ma sœur et je te tue. Johnny, reste à terre. Ambulance, apportez une trousse de premiers soins. Tu vas t'en tirer. Thank you.